Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements pour préparer le jeûne de 40 jours. Tout ce que je veux faire jusqu'au 14 janvier, ce sera seulement pour vous préparer à réussir votre jeûne, car il n'est pas bon d'attirer le peuple de Dieu à jeûner sans le préparer et sans le former. Voyez un médecin, lorsqu'il veut faire une opération, il met le malade sous antibiotiques. Amen. Afin que l'opération soit réussie. Et toi, nous allons te mettre sous antibiotiques spirituels afin que l'opération que Dieu va faire dans ta vie pendant Alpha 40 soit réussie et que la plaie puisse bien cicatriser. Amen. Il m'est arrivé de faire, au début du ministère, d'amener l'église dans un long jeûne sans le préparer. Et vous savez, quand on est début du ministère, des fois on commet des erreurs. Alors, j'amenais les gens dans le jeûne, et c'est pendant le jeûne que je les enseignais sur le jeûne. Et Dieu m'a transformé au travers d'une sœur de l'église. J'ai enseigné sur le jeûne, je crois, au milieu. J'avais dit des choses, et le venu m'a dit, « Pasteur, ben, je me demande pourquoi vous n'avez pas dit ça avant le jeûne, parce que nous avons fait le contraire de tout ce que vous avez enseigné. » Et c'est Dieu qui m'avait parlé au travers d'elle. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais prendre tout mon temps de te donner toute la connaissance possible pour que ton jeûne soit agréé par Dieu. Amen. Parce qu'il y a des jeûnes que Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas tous les jeûnes. C'est pourquoi vous remarquez, au Congo, nous jeûnons beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui voient Mangengenge, beaucoup de gens qui disent j'étais à 21 jours, 40 jours, 30 jours. Mais tu vois, ces personnes n'ont pas de puissance, leur vie ne change pas. Pire même, c'est comme si plus elles jeûnent, plus leur vie est détruite. Pourquoi? Ce n'est jamais la faute de Dieu. Amen. Chaque fois que tu fais quelque chose qui est dans la Bible et ça ne marche pas comme c'est écrit, le problème n'est pas au niveau de la puissance de Dieu, ni au niveau de sa fidélité. Le problème, c'est souvent au niveau de l'homme, soit la connaissance, soit la désobéissance. Je ne dirai pas des choses faciles. Ce seront difficiles, des choses difficiles, mais que tu vas pouvoir pratiquer par le Saint-Esprit. Amen. Car Dieu ne peut jamais t'attirer à un niveau sans te donner la force de monter à ce niveau. Je répète, Dieu ne peut jamais t'amener à un niveau sans te donner la force de monter à ce niveau. Tout ce que je vais enseigner est à ta portée, car le Saint-Esprit est en toi et il va t'aider à pratiquer tout ce que nous allons enseigner. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Pour tous les lecteurs de la Bible, nous savons qu'il y a tout un chapitre dans la Bible qui prépare au jeûne. C'est le chapitre principal sur le jeûne. Tu ne peux pas enseigner sur le jeûne sans enseigner Ésaïe 58. Tu ne peux pas, parce qu'il n'y a pas un chapitre dans la Bible aussi profond, précis et clair sur le jeûne que Dieu agrée. Et ensemble, nous allons étudier ce chapitre d'Ésaïe 58, et après, nous parlerons des paroles de Jésus-Christ sur le jeûne. Et nous allons entrer en jeûne à partir du 14 janvier. Pour nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nous allons commencer un jeûne de 40 jours à partir du 14 janvier. Nous allons prendre de l'eau et des fruits et des légumes le soir. Donc c'est très facile à faire. Nous vous invitons à suivre ces enseignements et à commencer le jeûne le 14 janvier. Nous sommes debout, nous allons lire tout le chapitre d'Ésaïe 58. Tout le chapitre d'Ésaïe 58. Vous y êtes? Ésaïe 58, 1 jusqu'à 14. Vous y êtes? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies,
comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme je le veux, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira : me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Comme c'est un enseignement, je vous demanderai à la maison de relire et de relire Ésaïe 58 jusqu'à ce que vous puissiez vous approprier ces paroles. Amen. La Bible dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Bizarre. Un passage qui parle du jeûne, mais on commence à dire au prophète de parler avec autorité au peuple, de lui annoncer ses iniquités pour l'amener à la repentance. Bien-aimé, la préparation du jeûne commence par la foi. Amen. La foi. On ne parle pas de sanctification sans la foi. Avant que tu n'entres en jeûne, tu dois avoir d'abord une alliance avec Dieu, car on parle de mon peuple. Annonce à mon peuple. Il faut être d'abord le peuple de Dieu pour faire le jeûne. Un païen ne fait pas le jeûne. Un inconverti n'entre pas en jeûne. Quelqu'un qui n'est pas le peuple de Dieu, quelqu'un qui n'est pas l'enfant de Dieu, n'a que faire du jeûne. Si en ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu, ce jeûne ne te concerne pas. Ce sera un grève de la faim où tu vas maigrir et maigrir, tu vas parler, mais Dieu ne t'entendra pas parce qu'il ne te considère pas comme son peuple. Donc, mon frère, ma sœur, la première chose à faire
avant d'entrer dans le jeûne, tu dois te rassurer de ton alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que tu as un héritage en Dieu? Est-ce que tu as un héritage en Jésus? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur avant de faire le jeûne? C'est pourquoi vous remarquez au Congo, même les magiciens vont au jeûne, les impudiques vont en retraite, les prostituées vont en retraite. Ils font 10 jours sur des montagnes, ils descendent, ils ne voient rien et ils sont tout fâchés contre Dieu. Mais Dieu ne t'appelle pas son peuple, tu dois être d'abord son peuple. Qui est le peuple de Dieu ici? Tu es sûr? Qui n'est pas sûr? Si tu n'es pas sûr, alors c'est là que commence ton jeûne. Le jeûne ne commence pas en se privant de nourriture. Le jeûne ne commence pas en se mortifiant. Le jeûne commence par une alliance avec le Créateur, une alliance avec Jésus. Être un vrai chrétien, être un vrai enfant de Dieu, être né de nouveau. Tu ne peux pas te donner à des disciplines, à des sacrifices, mais sans être chrétien. La première chose que Dieu attend de toi, ce n'est pas de sacrifier ta nourriture, de sacrifier ton foufou, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes ta vie. Et les gens donnent à Dieu leur foufou, leur viande, sacrifient la nourriture, mais ne sacrifient pas leur vie. Dieu n'a que faire de ton foufou, il n'a que faire de ton thé et de ton pain si tu ne lui as pas donné ta vie. Donnez d'abord vos vies. Sinon, vous allez entrer en jeûne avec nous. Dieu va nous rendre encore puissants. Ouais, cette année sera encore puissante, glorieuse. Et vous allez le voir de vos yeux, mais vous n'allez pas y toucher. C'est pourquoi même des fois au Congo, les pasteurs, on a des problèmes. Oh, les gens qui prient dans vos églises deviennent de plus en plus pauvres. Vous, vous devenez de plus en plus riches. Les gens qui prient dans vos églises ne font que se détruire, mais vous, vous montez. Moi, je te donne le principe. Je te dis, pour faire un jeûne, tu dois être le peuple de Dieu. Toi, tu refuses, mais tu entres en jeûne. Et puis après, il n'y a rien. Moi, après, il y a quelque chose. Mais bien aimé, ce n'est pas de ma faute. Il est facile de se priver de nourriture et de refuser de donner son cœur à Dieu. Me priver d'un aliment pendant 2 jours, même un païen peut accepter de ne pas manger. N'est-ce pas qu'il y a des païens politiciens, lorsqu'ils sont arrêtés et mis en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de manger, ils font la grève de faim. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ils se privent de nourriture pour une cause politique et ils ne mangent pas. Alors frères et sœurs, n'aie pas mangé, ce n'est pas extraordinaire pour Dieu, parce que les païens aussi font des jeûnes. Même les musulmans font des jeûnes, vous le savez, ils font des jeûnes. Alors bien aimés, ne faites pas d'abord le jeûne, soyez le peuple de Dieu. Annonce à mon peuple ses iniquités. Deuxième chose, la sanctification. Pour faire un jeûne qui est agréable à Dieu, il faut d'abord être le peuple de Dieu. Deuxièmement, il faut reconnaître ses iniquités. On ne parle pas des péchés, on parle d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est un péché, mais qu'on commet avec la connaissance de la parole. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est seulement les péchés des saints. C'est le péché des gens qui ont la connaissance. C'est le péché des gens qui connaissent Dieu. C'est le péché des gens qui connaissent la Bible, mais qui pêchent malgré la connaissance. Voici une chose qui fera que Dieu ne t'exauce pas quand tu vas jeûner, l'iniquité. Les péchés que tu commets, malgré que tu sais que c'est le péché, tu vas jeûner, tu vas maigrir, Dieu ne va pas t'exaucer. L'iniquité, les péchés chéris, les péchés qu'on commet dans la connaissance des Écritures, les péchés qu'on commet même dans le jeûne, les péchés qu'on commet même à l'église, les péchés qu'on continue à commettre malgré qu'on est chrétien, les péchés qu'on continue à commettre malgré qu'on est serviteur de Dieu, les péchés qu'on continue à commettre malgré les années qu'on a fait dans le Seigneur. Ce sont ces péchés qui annulent les prières dans le jeûne. C'est pourquoi vous remarquez, quelqu'un a fait beaucoup d'années dans le Seigneur, il n'y a rien, rien dans sa vie. Il est chrétien, mais il n'y a rien, pas d'onction, pas de puissance,
pas de percée, rien d'extraordinaire. On dirait même qu'il s'est converti hier. Quand tu remarques dans ta vie chrétienne, ta vie est égale au bébé spirituel, pose-toi des questions. Posez-vous des questions. Tu as des années dans le Seigneur, le bébé spirituel, vous avez les mêmes problèmes. Lui, il prie, Dieu ne l'écoute pas. Toi, tu pries, Dieu aussi ne t'écoute pas. Tu dois te poser des questions. Il se peut que tu vis dans l'iniquité. C'est-à-dire qu'au niveau de ta sanctification, tu as bloqué. Tu as bloqué. Il y a des choses qui ne te quittent pas. Tu abandonnes des choses, mais il y a d'autres qui ne quittent pas. C'est ça qui annule tes jeûnes. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Mais tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Quel péché? Les péchés résistants. Les péchés chéris. Les péchés cachés. Les péchés que tu commets. Et tu connais aussi le verset. Tu connais le verset biblique qui interdit le péché là, mais tu le promets quand même. Ça annule les prières. Ça fait que ton jeûne devient de la distraction et une perte de temps. J'aime dire la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu es ce genre de personne qui aime prier et pécher, ne jeûne pas. Amen. Hein? Mange le foufou, mange la viande, mange et mange grossi. Amen. Hein? Laisse les gens qui sont sérieux dans les choses de Dieu jeûner parce qu'ils seront efficaces. Si tu es ce genre de chrétien qui aime prier, qui aime demander et qui aime jeûner, mais qui n'aime pas se mettre en ordre avec Dieu, ne perds pas ton temps, mange. N'entre pas dans ce jeûne, viens à l'église, écoute la parole, chante avec nous, adore avec nous, mais ne jeûne pas, tu perdras ton temps. Rien de nouveau ne se fera dans ta vie. Bien-aimé, pour ma part, la vie chrétienne, c'est soit tu prends rien, soit tu prends tout. Pour ma part, la vie chrétienne, soit on prend tout, soit on prend rien. Soit tu prends toute la parole, soit tu ne prends rien. Que croire en Jésus et être fidèle à Dieu dans tel domaine, mais dans un autre domaine, tu ne l'es pas. Alors que Ésaïe enseigne à Israël le jeûne, il commence par ses iniquités et ses péchés. Les péchés, ce sont les péchés des bébés spirituels. Les personnes matures en Dieu commettent l'iniquité et les bébés spirituels commettent les péchés. Ils commettent des choses, ils ne savent pas trop bien. Frères et sœurs, même toi qui t'es converti nouvellement, tu dois abandonner tes péchés. Tu es encore lié à la musique du monde et tu jeûnes. Tu es encore lié à ta copine et tu jeûnes. Tu es encore lié à la cigarette et tu jeûnes. Tu es encore lié à des petits mensonges et tu jeûnes. Abandonner les iniquités et les péchés. Dieu s'adresse et aux personnes matures et aux nouveaux. Alléluia. Si tu jeûnes avec l'iniquité, avec le péché, Dieu ne t'écoutera pas. La Bible dit que son oreille n'est pas dure pour entendre, sa main n'est pas courte pour toucher, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Clair dans la parole de Dieu, clair comme l'eau de roche. Verset 2. Tous les jours, il me cherche. Oh, c'est terrible. Ces gens vivent dans l'iniquité, dans le péché, mais tous les jours, ils cherchent Dieu. Pouvez-vous comprendre cela? Je vais vous expliquer cela. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme une nation qui aurait pratiqué. Ce n'est pas une nation qui pratique la justice, mais c'est une nation qui a le comportement d'une nation qui pratique la justice, qui a des revendications d'une nation qui pratique la justice. C'est-à-dire, c'est une nation qui vit dans le péché, mais qui aimerait que Dieu la traite comme une nation qui vit dans la sainteté et dans la justice. Ce sont les caractéristiques des religieux. Les religieux sont pointilleux sur les sacrifices spirituels, mais vivent dans le péché.
Il peut être pointueux. On ne mange pas ça. On ne boit pas ça. Mais il a un péché. Il a un mauvais cœur. Il ne va pas manger la viande pendant 40 jours. Il ne va pas prendre du pain pendant 40 jours. Il est dans les légumes et dans les fruits. Mais il a aussi un péché. Frères et sœurs, les Juifs avaient une capacité de beaucoup chercher Dieu, mais de beaucoup pécher. Dieu ne les exaucait pas. Ils ressemblent aux Congolais. Nous prions beaucoup, nous cherchons beaucoup Dieu. Nous aimons la prière plus que la sanctification. Non, frère, il faut aimer la sanctification plus que la prière. La sanctification vient avant la prière. La prière n'est pas au-dessus de la sanctification. C'est la sanctification qui est élevée au-dessus de la prière. La Bible ne dit pas que sans la prière, personne ne verra Dieu. Mais la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Ils cherchent Dieu dans la prière, ils cherchent Dieu dans la parole. Ils méditent la Bible tous les jours, mais tous les jours, ils pêchent contre cette Bible-là. Des gens qui lisent tous les jours la Bible. Il connaît des versets, mais il faut regarder sa vie. Tu te demandes comme s'il y a un démon maintenant qui lui explique la Bible pour qu'il puisse pécher contre la Bible. Comment se fait-il qu'à ta connaissance de la parole est attachée une vie de péché? La même personne qui aime connaître la volonté de Dieu, c'est elle qui vit dans le péché. C'est ça Israël, et c'est ce que nous sommes souvent. Cherchant Dieu dans la prière, cherchant Dieu dans des jeûnes, cherchant Dieu dans des veillées, cherchant Dieu, lisant la Bible, mais dans l'iniquité et dans le péché. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, n'ayant que l'apparence de la spiritualité. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas l'apparence quand tu jeûnes, il exauce ta vraie vie. Dieu n'exauce pas les apparences, les attitudes spirituelles. Dieu n'exauce pas ta fatigue quand tu jeûnes. Il y a des gens qui pensent que Dieu les exauce parce qu'ils ont trop faim, ils sont trop fatigués. Comme ça, Dieu aura pitié d'eux. J'ai attrapé une gastrite, hein, je suis tombé malade, Dieu va m'exaucer. Non, Dieu t'exauce à cause de l'œuvre de la croix. Si tu n'es pas connecté à Jésus, Dieu ne fait rien pour toi. Donnez-moi l'amen que j'enseigne. Vous savez, cet esprit de méritocratie, nous poursuit même dans les choses de Dieu. Je vis dans le péché, je vis dans l'iniquité, mais je jeûne. Et quand je jeûne, ça me fatigue. Je suis faible, je perds 10 kilos. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai pitié de moi. Et je dis, comme j'ai pitié de moi, Dieu a pitié de moi. Oh, Dieu n'a pas pitié des kilos. Dieu n'a pas pitié de l'amaigrissement. Dieu n'exauce pas l'amaigrissement. Il y a des gens qui jeûnent, ils grossissent, Dieu va les exaucer. Nous, nous pensons, comme j'ai maigri, comme je suis faible, alors Dieu va m'exaucer. Non, il y a des gens, ils jeûnent, il n'est pas faible, mais Dieu l'exauce parce qu'il vit dans la sainteté, dans la foi. Alléluia. Dieu ne consomme pas la fatigue. Dieu ne consomme pas la pitié. Dieu ne consomme pas l'estomac vide. Comme j'ai faim, comme je suis fatigué, j'ai des vertiges. Dieu donc va m'exaucer. Archifaux. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de Dieu, ils ne méritent pas d'être exaucés par Dieu, mais ils attendent que Dieu les exauce. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils réclament, Seigneur, cette année. Qui demande ça? Un impudique, un voleur, un orgueilleux, un menteur, un homme qui vit dans des calomnies, me demande cette année, comme j'ai jeûné cette année. Bien-aimés frères, ça ne marche pas ainsi. Tu ne peux réclamer à Dieu des choses sans être en communion avec lui. Tu ne peux exiger à Dieu quoi que ce soit si tu n'es pas en communion avec lui. Qui te donne le droit? Qui te donne la permission d'exiger à Dieu des choses alors que lui t'exige des choses, tu ne les fais jamais. Commence par faire sa volonté pour qu'il accomplisse la tienne. Alléluia. Frère, je te mets sur le chemin de l'exaucement. Ça te paraît dur, mais je te dis, c'est ça le chemin. S'il n'y a pas un autre chemin pour être exaucé, c'est la parole.
Amen. Vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui refuse de vivre ce message, jeûne, tu perds ton temps. Écoutez ceci, mes frères. Il désire l'approche de Dieu. Oh, il désire l'approche de Dieu. Mais eux-mêmes vivent dans le péché. Mais quand tu vis dans le péché, tu désires l'approche de Dieu. Mais tu désires ton jugement. C'est pourquoi moi je médite un peu. Est-ce que vraiment l'église des temps de la fin doit prier que Jésus revienne? Non, il faut lui dire qu'il attende. On n'est pas prêt. Oui. Il faut qu'on dise, Jésus ne revient pas encore, on n'est pas prêt. Parce que si tu reviens maintenant, mais oui, frère. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu que le jour de l'Éternel sera terrible. L'enlèvement, ce serait un jour terrible. L'enlèvement, mais ce serait un jour terrible, terrible pour l'église. Ce serait le jugement de l'église. Pourquoi? Tous les charnels seront jugés. Quand les spirituels montent, eux, ils sont dans la joie. Mais les charnels, ils sont jugés. Mais quand maintenant l'église est constituée à trois quarts des charnels, mais les charnels disent que Jésus revienne. C'est comme si tu n'as pas bien préparé l'examen, mais tu pries qu'il y ait interrogation. Mais oui, je vous assure. Que les spirituels disent Jésus revient. Les charnels, dites-lui qu'ils attendent. Amen. Hein? Quand tu entends les gens chanter Jésus revient, refuse. Mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Si Jésus était rentré l'année passée, ce serait grave, n'est-ce pas? Heureusement qu'il n'est pas revenu. Mais sinon, tu allais aller où? Mais oui, la Bible dit pourquoi son retour tarde? Parce que Dieu attend que le dernier soit sauvé. Donc, c'est la faiblesse de l'église qui l'empêche de venir. C'est l'immaturité de l'épouse qui empêche à l'époux de venir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui entres en jeûne pour chercher l'onction, mais dans le péché, tu veux quoi? Tu te cherches des problèmes? L'onction amène des problèmes. Tu es orgueilleux, tu cherches l'onction. Mais l'onction peut t'amener en enfer. Vous savez ça? Ah, donnez-moi la main, je vais vous enseigner. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité dans les choses de Dieu. L'onction, c'est comme une arme. Imaginez là, je suis un enfant, un bébé. Vous me donnez une mitraillette, vous m'aimez? Je vais tuer les gens et je vais me tuer moi-même. Tu vis dans le péché, tu demandes une forte onction. Mais cette onction-là va te détruire, ça va te rendre orgueilleux, impudique. Tu peux même te déclarer Dieu. Mais oui, tu commences à ressusciter les morts, tu es orgueilleux. Tu vas dire quoi? Je suis Dieu. Et puis tu vas en enfer. Il ne fallait pas que Dieu te donne l'onction. La présence de Dieu, tu cherches la présence de Dieu. Le Dieu saint, abîmé là-haut. Avec cette vie de péché que tu as, qui t'apparaissent, même les saints hommes de Dieu, quand la présence de Dieu est venue, ils ont senti comme s'ils mouraient. Maintenant, toi, avec tes péchés, abîmé là-haut. Mes frères et sœurs, préparez-vous très bien à rencontrer Dieu. Parce que dans les jeûnes, il y a des expériences terribles. Vous savez ce qui m'est arrivé l'année passée, n'est-ce pas? L'année passée, j'ai failli mourir dans le jeûne. Dans le jeûne, Jésus m'est apparu avec des anges. Moi, je pensais que je faisais tout bien comme il voulait, alors qu'il était jaloux. Parce que si la femme d'un roi commence à t'aimer, même si tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes. Si seulement la première dame t'aime, aussi problème. Même si toi, tu ne l'aimes pas, tu as des problèmes, n'est-ce pas? Et quand l'église t'aime, tu as déjà des problèmes parce que c'est la première dame. Ah oui, oui, oui. Et moi, ce n'est pas que je travaillais assez que l'église puisse beaucoup m'aimer, beaucoup s'attacher à moi, mais une certaine manière de faire commençait à ne pas être bonne. Et il est venu jaloux comme un mari. Il a failli me tuer dans le jeûne. Moi, j'étais allé chercher l'onction. Que l'onction a beau manga. Ah. Je connais des églises qui ont éclaté dans le jeûne. L'église éclate dans le jeûne. Tout allait bien avant le jeûne. Quand ils osent jeûner, ils entrent dans un jeûne de 40 jours. Dans le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Les dons spirituels sont répandus. Les fidèles ont commencé à voir les péchés du pasteur. Des prophéties commencent à sortir sur les sorciers de l'église. Les péchés de l'église se révèlent, les diacres, tout est mis à nu. L'église a été détruite. Pourquoi? Ils n'étaient pas prêts, mais ils voulaient la présence de Dieu. Ta voiture est en mauvais état, tu veux l'amener faire la course. Tu vas mourir, n'est-ce pas? Parce que ça va révéler que tu n'as pas les freins.
Oui. J'étais dans une église dans laquelle, quand l'onction de Dieu est venue après des jeûnes, ah, tous les secrets sont sortis. Hein. Tout. Dieu commença à nous montrer les choses qui se passaient dans toute l'église. Même des petits enfants commençaient à prophétiser sur des grandes personnes. C'était terrible. Si l'approche de Dieu a lieu dans cette église et Dieu commence à révéler aux enfants de l'Écodim la vie des parents, nos vies. C'est arrivé en Philippines. Ils ont jeûné, prié. L'onction de Dieu tombait sur les enfants. Les enfants entraient dans l'église, révélaient l'adultère des gens. C'était terrible. Alors, frère, quand tu désires l'approche de Dieu dans le péché, tu cherches un scandale. Car il se peut que le 30e jour du jeûne, une onction tombe dans l'église et quelqu'un commence à crier « Voisinanga, voisinanga, tika kindumba, tika kindumba, voisin tika kindumba, tika kindumba. » Et ta femme entend ça. « Liba les koufika dans l'église. » Oh, donnez-moi l'amen. Mais le jeûne, il donne les dons spirituels, vrai ou faux? Dans les dons spirituels, il y a quoi? La parole de connaissance, le discernement des esprits. Le jeûne, il peut même chasser les collaborateurs à côté du pasteur. Ou quand tu entres en profondeur, tu découvres que tu as des collaborateurs aventurés. Ah oui? Alors quand vous voulez jeûner, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence parce que nous ne savons pas ce que Dieu fera au milieu de nous, quel niveau d'onction il y aura, quel niveau de la présence de Dieu il y aura. Le jeûne, il apporte la bénédiction, mais il apporte aussi le jugement. L'église primitive était une église qui jeûnait, qui priait. Et qu'est-ce qui se passait? Les gens vivaient des miracles et des prodiges, mais quand les gens volaient, ils mouraient. Ils mouraient. Voleurs des téléphones, voleurs des Bibles. Fais attention, yo koufaneo. Ah, donne-moi la main. Hein. J'en ai vu un à la veillée. Il danse derrière les gens en regardant leur poche. Bien-aimés, mettez vos téléphones devant, pas derrière, quand vous dansez. Terrible, hein? C'est grave. Les gens viennent à la veillée chercher Dieu. Lui vient danser pour prendre dans les poches les gens. Un beau garçon, cette intelligence que tu manifestes pour voler, tu peux devenir un grand commerçant. Tu perds ton temps à voler des téléphones. Vends les téléphones. C'est pourquoi, mes frères, chercher l'approche de Dieu, c'est chercher le feu. Et quand tu cherches le feu, tu dois être sûr que tu as l'isolant. Si tu n'as pas l'isolant, bien-aimé, tu vas mourir, tu seras électrocuté. Amen, hein? Tu seras électrocuté, tu seras électrocuté. Le jeûne pousse même les démons à se manifester. Pourquoi? La présence de Dieu pousse Satan à se manifester. Et maintenant, si là, tu as un démon, mais tu vis dans le péché, ce démon-là va détruire ta vie. Pourquoi? Tu l'as amené dans un lieu où il se sent dérangé. Maintenant, il va s'arranger pour que tu ne l'amènes plus jamais. C'est pourquoi on voit après des jeunes, les cas de certaines personnes se compliquent. Pourquoi? Il a un démon dans sa vie, mais refuse d'abandonner le péché. Maintenant, la présence de Dieu chasse le démon, mais lui, il attire les démons par le péché. Et ça fait quoi? Il avait un démon. Quand la présence de Dieu se manifeste, le démon part. Mais quand il part, lui, il pêche. Les démons reviennent sept fois plus nombreux. Il est infecté. Vous qui jouez dans la présence de Dieu, faites très attention. Tu viens à l'église et tu as une vie, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu es comme quelqu'un qui infecte la plaie. Tu infectes la plaie et tu infectes la plaie. Quand la gloire de Dieu tombe et on dit au nom de Jésus que tous les démons qui sont sur ce lieu sortent. Et les démons partent parce qu'ils doivent se soumettre à l'autorité de Jésus. Mais maintenant, toi, quand tu rentres à la maison, tu vis dans le péché. Ils reviennent sept fois plus nombreux. C'est pourquoi des fois, on est étonné. Mais ses frères, il a fait des années à l'église. Mais comment il est comme ça? Demandez-lui dans sa vie secrète, il fait quoi? Il fait quoi dans sa vie secrète? Dans sa vie secrète, il fait quoi? Alléluia. Il me cherche comme une nation qui n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Il revendique des choses qu'il ne mérite pas. Il abandonne Dieu, mais il veut que Dieu se comporte avec lui comme s'il vit en communion avec lui. Ce n'est pas parce que tu entends des messages sur la communion avec Dieu que tu vis en communion avec Dieu.
Ce n'est pas parce que tu es dans une église dans laquelle il y a l'atmosphère de Dieu que toi tu as une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une église dans laquelle on prêche la sainteté que tu vis la sainteté. Entendre parler de la sainteté n'est pas vivre dans la sainteté. C'est seulement quand tu pratiqueras la parole. Il se comporte comme une nation qui n'aurait pas abandonné Dieu et revendique ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont en communion avec lui alors qu'ils l'ont abandonné. Écoutez ces gens qui vivent dans le péché, lire leurs paroles devant Dieu. Au lieu de se repentir, de demander à Dieu pardon pour leur péché, écoutez l'orgueil qu'ils manifestent. Et ça, c'est terrible. Des fois, je vois des gens, ils sont là en train de juger Dieu. Zamba mon atikiye. Il m'a déçu. Dieu n'est pas puissant. Dieu, Satan donne plus vite que Dieu. Tu penserais même que c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Écoutez ce qu'ils disent. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Hé, des pécheurs. Au lieu de demander pardon, que nous sert de jeûner si tu ne vois pas? De mortifier nos âmes si tu n'as point égard. Écoutez ça. Tu as fini l'année 2017 en colère contre Dieu. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et toi, tu as fait quoi? Ce que tu as fait, tu n'en parles pas. Nous, quand nous sommes convertis, si quelqu'un sert Dieu pendant 20 ans, il tombe seulement une fois seulement dans l'adultère ou l'impudicité. On croyait que l'onction part. Nous, c'était ce qu'on nous avait enseigné. En 20 ans, tu crains Dieu. Si seulement tu tombes une fois, l'onction partit. Pour que ça revienne, tu dois jeûner, tu dois te confesser publiquement. Mais vous, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous relevez, vous tombez. L'année passée, tu es tombé 20 fois. 20 fois. 20 fois caca. Et une telle personne aimerait avoir la vie de quelqu'un qui s'est gardé pendant 10 ans. Ton péché là, tu l'abandonnes un peu, puis tu le touches, un peu, tu le touches. Le sang de Jésus est devenu pour toi comme une douche. Et tu as fini l'année en colère, en colère. J'ai pas vu les promesses de Dieu. Cette année encore, le Seigneur m'a déçu. Je risque de croire au Dieu des Noirs. Kende papa, Yambaye. Pourquoi vous ne regardez qu'à ce que Dieu doit faire? Vous ne regardez jamais ce que vous faites. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre hiérarchisation du péché, il y a des grands et des petits péchés. Je veux vous parler d'un des grands serviteurs de Dieu des États-Unis. Cet homme avait reçu un appel pour servir Dieu dans la puissance. Mais il ne vivait pas la puissance dans son ministère. Il prêchait, mais il sentait que Dieu l'appelait à un ministère de guérison pas possible. Dieu l'appelait à jeûner. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? S'il jeûne seulement, sa femme prépare seulement la nourriture, l'odeur entre dans la chambre, il arrête. Certains ici, c'était seulement la gloutonnerie qui a détruit toute l'année passée, gloutonnerie. Quand on disait jeûne mercredi, tu mangeais. Est-ce que tu jeûnais mercredi? L'année passée, en dehors du jeûne d'Alpha 21, est-ce que tu as fait un autre jeûne? Non? Ok, la soussou. Ah ouais. Tant aussi ça paye. Bayo! Ton koutana! Oups, c'est la jeûne. Alors que Dieu voulait que tu deviennes quelqu'un qui jeûne. Écoutez un homme comme Oyedepo, un pasteur qui a une église de 200 000 membres, un milliardaire. Il dit qu'il ne fait pas une semaine sans jeûner une fois. Il ne peut pas faire une semaine, il n'a pas jeûné au moins un jour. Milliardaire, 200 000 membres. Yondeko, compte en banque, Nzambarosal. Mais bidounda, 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 bidounda. Et tu es en colère. En colère contre qui? Jésus, le Fils de Dieu, jeûnait. Et ce n'est pas seulement son jeûne de 40 jours qui fut son seul jeûne. Un jour, on lui a présenté la nourriture, il a refusé. Il a dit que je mange une autre nourriture. Il jeûnait. Les apôtres, apôtre Paul, ils ne pouvaient même pas compter combien de fois ils jeûnaient. Nous nous plaignons souvent, mes frères, mais souvent nous ne payons pas le prix. Et cet homme de Dieu était appelé à ce ministère-là. Et chaque fois qu'il entrait en jeûne, il mangeait. Il mangeait, il coupait, il coupait. De sorte que sa femme se moquait de lui. Et un jour, il dit, j'entre en jeûne.
Sa femme dit, la nourriture est sur la table, hein? Elle t'attend, hein? Quand tu couperas, tu vas la trouver. Et cette fois, il entre en jeûne. Et sa femme prépare comme d'habitude. Il sent l'odeur et il veut. Dieu lui dit, non, pas cette fois-ci quand même. Reste là. Et il reste dans la présence de Dieu. Je crois qu'il avait fait 3 jours de jeûne à sec. Un blanc, s'il fait 3 jours à sec, c'est beaucoup, hein? Amen, hein? Il a fait 3 jours à sec. Et après 3 jours, il frappe à la porte. Sa femme ouvre. Et il dit, j'ai rencontré le Seigneur. Dit, sa femme lui dit, je n'ai même pas besoin que tu me le dises. Je sens que tu l'as rencontré. Et il est sorti avec un carton. Il avait écrit des choses. Dieu lui avait donné les secrets pour avoir un ministère de puissance. Cet homme, Dieu lui a enseigné même sur parler. Parler. Il lui a interdit de parler d'une certaine manière. Yobi loba loba, kotonga, 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 kotonga. Oui, certaines personnes, l'année passée, vous avez échoué seulement car. C'est tout. Pas l'impudicité, le vol, non. Parler, c'est la cause de ton échec de l'année passée. Parler. Tu as parlé du mal des gens, tu as parlé du mal des oints de Dieu, tu as parlé du mal des enfants de Dieu, tu as critiqué des gens, tu as blessé les gens par tes paroles. C'est la seule cause de tout l'échec. La seule, rien d'autre. Mais yo mon ango, eloro mouke, jusqu'à ta mort, en demeurant dans ce que tu appelles petit, Dieu te montrera au dernier jour qui tu aurais été. Si tu avais mis ta vie en ordre, même dans le domaine de parler. Et Dieu lui parlera, lui parlera, lui parlera, et il a mis en pratique. Cet homme commençait à faire pousser les membres. Il fait pousser les pieds des gens, les mains des gens. Il prie les morts ressuscite. Des prodiges extraordinaires lorsqu'il s'est mis en ordre avec Dieu. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Alléluia. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Ne cherchez pas à ce que Dieu agisse d'une certaine manière dans vos vies alors que vous savez que vous n'accomplissez pas votre part. Arrêtez cela, mes frères et sœurs. Il y a très très longtemps, très longtemps. Maintenant, je crois que ça fait 13 ans. On parlait souvent des grands ministères avec un ami. Quel grand ministère ? Les ministères qui influencent le monde, les ministères qui influencent le monde. On parlait tout le temps. Un jour, je lui ai dit, je suis fatigué, fatigué de causer. Je suis fatigué de ces causeries, de saluer de loin les choses, comme regardant un habit dans la vitrine. Je vais casser la vitre et je vais prendre l'habit. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je suis fatigué. Je vais payer le prix pour avoir un ministère qui touche le monde. Il avait cru que c'était de la blague. J'ai commencé à avoir des visions, des apparitions, et Dieu m'a dit, qu'est-ce que je devais faire? Je commençais à m'asseoir sur ma chaise de ma chambre à 6 heures jusqu'à 16 heures, assis sur ma chaise en train de prier, de prier. Qui que tu sois, si tu me cherches, je ne te recevrai pas. Qui que tu sois, quand les gens arrivaient, on leur disait, on ne sait quand est-ce qu'il a commencé, mais quand il finit, on ne sait pas. C'est après ces temps-là qu'il y a eu un boom dans mon ministère jusqu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a un temps où tu connais des choses sur Dieu, c'est bien. Mais il y a un autre temps, tu casses la vitre, tu prends les vêtements. Moi, je dis toujours ceci. Si je fais une chose parce que je ne connais pas, ça va, c'est mal, mais ça va un peu. Mais si je connais déjà ce que Dieu dit et ce qui peut arriver dans ma vie si je fais ce que Dieu dit, mais je ne le fais pas. Je suis envoûté. Je suis un envoûté. Tu es sale parce que tu ne sais pas que l'eau lave. On peut voir que tu as un petit problème. Mais tu es sale. On t'a dit, tu vois l'eau et le savon lave. Mais tu es sale. Je t'enseigne comme je t'enseigne là. Sans rien te cacher. Tu entends, tu sors. La même personne. L'année prochaine encore, cette année encore, tu as un problème. Tu as un problème au milingaate. C'est pourquoi je n'aime pas prêcher à des gens qui n'ont pas la colère de la vie. J'aime pas. J'aime prêcher des gens qui en veulent, qui ont des désirs ardents, qui veulent vivre la parole. Des gens comme Élisée qui disent à Élie, je ne te laisserai pas
Ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. J'aimerais de tout cœur, le jour que j'irai au ciel, dire à Dieu, merci d'avoir écrit la Bible, mais je l'ai accompli aussi. Ou quand je vais rencontrer Paul, quand j'étais à Corinthe, hein, moi aussi quand j'étais à Budapest. Alléluia. Oh, quand j'ai fait marcher un paralytique à Éphèse, hein, moi aussi quand j'ai fait marcher un paralytique à Lemba. Donne-moi la main. Hein. Tu as le même Saint-Esprit que Paul. Tu as le même Dieu que Paul. La même Bible que Paul. Et nous, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes l'Église définitive. Et la gloire du second temple doit être plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. Ayez la rage spirituelle, mes frères. Et vous allez vous approprier les Écritures. J'aimerais dire une chose avant de nous séparer. Au verset 4, la Bible dit ceci. Non, plutôt au verset 3. Ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Là maintenant, c'est le Seigneur qui répond. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Vous vous livrez à vos penchants. Dieu répond maintenant. Ils disent, Seigneur, nous nous mortifions. Nous jeûnons, nous souffrons, mais tu ne nous regardes pas. Dieu est bon, hein? Dieu est humble. Dieu répond aussi. Il n'était pas obligé de répondre. Et Dieu dit, pourquoi il ne leur répond pas quand ils jeûnent et quand ils prient? Il dit, parce que vous faites deux choses que je n'aime pas. Pendant que vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants et vous frappez méchamment. Vous êtes dur avec vos travailleurs. Waouh! Nous souvent nous pensons que c'est seulement les démons qui entrent dans les choses du jeûne, n'est-ce pas non? Quand on jeûne, les premiers ennemis c'est quoi? Démons, les liens, les autels, renversés, 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 renversés. Mais Dieu dit, paye le salaire de ton travailleur. Tu entres en jeûne, tu as le salaire de ton travailleur en poche. Tu ne le payes pas. Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que vous savez ça? Vous qui avez des travailleurs, ton travailleur peut détruire ton jeûne. C'est écrit dans la parole. Vous savez pourquoi? Le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne et prière, c'est le jeûne et l'amour. Jeûne et amour. Pas seulement jeûne et prière. Nous faisons trop le jeûne et prière. Il faut jeûne et prière et amour. Quand tu traites mal tes travailleurs, tes domestiques, quand tu traites mal les gens avec qui tu travailles, toi qui es le chef et tu jeûnes, Dieu ne t'exauce pas. C'est pourquoi quand tu vas entrer en jeûne, si tu as les salaires de tes collaborateurs, paye-les. Alléluia. Tu as un serviteur que tu blesses, arrête de le blesser, Dieu ne t'exaucera pas. Et la plupart des temps, nous traitons nos travailleurs comme des esclaves. Ce n'est pas chrétien. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton domestique et c'est ton esclave. Si les païens se comportent ainsi, pas nous les chrétiens. Ce n'est pas parce que je travaille chez toi, que toi tu es un humain, moi je suis un animal. Si tu traites tes travailleurs comme des animaux, quand tu jeûnes, Dieu ne t'exauce pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous qui avez des travailleurs à la maison, certains enfants, ce n'est même pas toi qui payes son salaire. T'as un dingue qui chef au linga. Oui, certains enfants. Chez vous, il y a beaucoup de travailleurs. Mais il faut voir comment tu te comportes avec eux. Celui qui les paye, les respecte. Toi, d'ailleurs, tu ne les payes pas. Il faut voir comment tu maltraites les travailleurs. Dieu ne t'exaucera pas. Tu jeûnes sans amour. Tu maltraites ton mercenaire, dit la parole de Dieu. Donc, vous comprenez une chose, mes frères et sœurs. L'amour a une grande place dans le jeûne. Jeûner sans amour annule le jeûne. Et l'amour dans tous les domaines, même si l'on parle des mercenaires, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un qui jeûne dans la méchanceté, Dieu ne l'exauce pas. C'est pourquoi quand tu entres en jeûne, déjà en colère contre quelqu'un, tu as la haine contre quelqu'un, tu as perdu ton temps.
Quelqu'un t'énerve. Oh, yiniye. Et puis, no, qu'il est lié. Yangondo, quel n'aroïnae. Le diable nous pousse à haïr les sorciers pour qu'on n'ait pas de la puissance contre les sorciers. Si tu veux avoir la puissance contre le sorcier, tu dois l'aimer. Oui? Ah, je sens que je dois t'expliquer quelque chose. Pourquoi quand tu pries contre la sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie continue? C'est parce que tu as la haine des sorciers. Quand tu as la haine déjà, le jeu n'a pas de puissance. Voici le secret. Pour que Dieu frappe les sorciers de ta famille, il faut beaucoup les aimer. Tu les aimes, tu les aimes, tu les aimes, et puis tu jeûnes. Dieu va s'occuper d'eux. Mais si tu les hais, tu les hais, tu les hais, tu jeûnes, Dieu ne va pas exaucer. Pourquoi? Dieu ne peut pas t'encourager à la haine, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de haine. Alléluia! Alors vous qui avez la haine des sorciers, la haine des gens qui ont bouffé vos parents, qui ont bloqué votre famille, vous avez vraiment la haine. Et dans ce jeûne de 40 jours, vous voulez jeûner contre la sorcellerie. Ne perdez pas votre temps, ça ne va pas marcher. Mais si tu aimes le sorcier, tu lui fais du bien, va jeûner. Tu vas voir, tout ce que tu lui donnes va se transformer en feu. Dieu va changer, c'est que ton amour va devenir du feu. Mais quand tu as la haine, tu as la chose du diable, et le diable se nourrit de ta haine pour devenir fort dans ta vie. C'est pourquoi vous remarquez, les gens qui font les combats spirituels dans la haine, les démons ne partent pas, les sorciers deviennent forts. Pourquoi? L'arme principale de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas l'autorité, c'est l'amour. Donnez-moi l'amen. J'en parlerai en profondeur, je crois, vendredi. Mais j'aimerais terminer en parlant des penchants. Je crois que l'année passée, j'en avais un peu parlé, mais comme l'Église grandit chaque année, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cet enseignement. Vous pourrez vous le procurer à la table de la presse. Le jeûne est anéanti par les penchants. Les penchants, c'est quoi? Ce sont les choses que tu aimes. Et dans les penchants, il y a deux choses. Il y a les mauvais penchants et les bons penchants. Mais Dieu refuse tout. Les mauvais penchants, c'est quelqu'un qui aime bien fumer. C'est un mauvais penchant. Il aime l'alcool, c'est un mauvais penchant. Mais il y a d'autres bons penchants. Le téléphone, la télévision. Avoir son téléphone n'est pas un péché. Mais quand tu jeûnes et tu es toujours sur Internet, tout le temps sur Facebook, tout le temps à la télévision, tout le temps tu regardes le match dans le jeûne, ça n'a pas de puissance. Et l'année passée, le jeûne nous avait trouvé en plein Cannes. Amen, hein? C'était ça. Et il y avait un jour, c'était le match des Léopards. Et il y avait des frères qui avaient fui le jeûne. Petopolaki. Quand tu jeûnes, tu aimes la Champion League, c'est ça? Champion League, tu ne regardes pas. Je suis en train de vous enseigner les principes du jeûne. Ou tu pratiques, ou tu ne jeûnes pas. Tu aimes novelas, tu ne regardes pas. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne peux pas dire que tu jeûnes. Et toi, novelas, vraiment, c'est ton penchant. Et tu regardes novelas et tu jeûnes. Dieu ne t'exauce pas, c'est écrit dans la parole. Quel est ton penchant? Quel est ton penchant? Le ping-pong? Le billard? Quel est ton penchant? Que chacun de nous regarde en lui s'il a un penchant. Certains, ce sont les bijoux. S'ils s'habillent, mais il n'y a pas de bijoux, ils sont comme si ils ne s'étaient pas habillés. C'est ça ton penchant. D'autres femmes, c'est le maquillage. Mais si elles se lavent, mais ne se maquillent pas, c'est comme si elles n'ont rien mis. C'est ça ton penchant. Jeûne sans te maquiller. Oui, chacun a son penchant. Chacun a son penchant. Et si pendant le jeûne, ton penchant c'est un fruit que tu aimes, le fruit là ne le mange pas, cherche d'autres. Donne-moi la main. Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la viande, ils n'aiment pas le foufou et ils aiment les bananes. Amen. Lui il aime les bananes, donc les bananes, quand il mange les bananes, il est en extase. Maintenant on fait le jeûne de 40 jours, tous les jours bananes. Yo, Zokila. Okila, t'es.
Tu es dans ton penchant. Yo, lia tondolo. Pourquoi? Parce que pendant le jeûne, tu apprends ton âme à se priver de ce qu'elle aime pour aimer seulement l'Éternel. Parce que quel est le problème de Dieu avec le penchant? Vous connaissez le problème? C'est l'adoration, l'idolâtrie. Vous voyez, quand on nous a coupé Facebook, il y a des gens vraiment, il allait mourir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Congo Koufa? Si on avait seulement fait une semaine sans Facebook, j'allais même aller supplier pardon. Et maintenant, tu jeûnes, tu es sur Facebook. Non, tu n'as pas jeûné. Il y a des gens qui sont sur Facebook, ça ne fait rien. C'est comme regarder France 24. Mais toi, Facebook, WhatsApp, Twitter, quand tu es là vraiment, tu es aux anges. Et regarde, quand tu es sur Facebook, tu regardes la vie des gens, tu critiques, tu fais des péchés internationaux. Mais oui, tu vas, tu critiques celui qui est à Paris, aux États-Unis, au Congo, hein? Tu es un pécheur international. Pendant le jeûne, tu dois te discipliner par rapport à ton téléphone. Tu dois apprendre à l'éteindre quand tu pries. Alléluia. Éteindre ton téléphone quand tu pries. Aller sur Internet que quand vraiment c'est important pour une information importante, pour donner une information importante, mais aller seulement pour te promener comme le diable. Car il y a des gens qui entrent sur Internet, ils n'écrivent rien, ils ne disent rien. Oh, t'as la caca, abimi. Apostarate, achake l'orote, allobage l'orote, atalakatal. Yo, t'as la thé. Pour l'onino salara. Si tu as un thé, tu as une église. Yo, Osanin. Tu as un mégabyte, un gigawana. Tu as une vidéo, téléphone. Tu as une vidéo, tu as pas moi un téléphone. Mais ton téléphone, il est sans effet. Il y a des gens qui connaissent tout ce qui se passe sur Facebook, mais ils n'écrivent jamais rien. Même pas Jésus est Seigneur. Des penchants. Qui a des penchants en ce lieu? Tu vois ce que tu, pour qui tu lèves la main là, tu ne le feras pas pendant 40 jours. Tu ne le feras pas pendant 40 jours. Si ton penchant, tu aimes toujours t'habiller grave, tu ne vas pas t'habiller grave, tu t'habilles simple. Oui. Il y a des gens, il peut bien s'habiller, il est normal. Mais d'autres, quand il est mal habillé, il marche comme ça. Si seulement il s'habille. Oh sentir. Toi, tu dois t'habiller simple. C'est écrit dans la parole. Certaines personnes dans la Bible, quand elles jeûnaient, elles portaient le sac. Pourquoi? Parce que leur penchant, c'était aussi le vêtement. Quel est ton penchant? Tu aimes trop le parfum? Ne te parfume pas. Penchant, c'est penchant. Il y a des gens, même s'ils ne se parfument pas, ça lui fait rien. Mais il y a d'autres, il peut sortir. Il rentre. Achète. Toi, tu ne vas pas te parfumer. Et tu vas voir si tu arrives à vaincre tes penchants. Quand tu sortiras du jeûne, tu te poseras la question. Mais en fait, comment j'étais si attaché à ça? Mais je peux vivre sans ça. Et je pouvais vivre sans ça. Et après, tu deviens une meilleure personne. Que Dieu vous bénisse abondamment.